n'arrivez même pas à bien manger. Vous n'arrivez même pas à soigner vos familles au pays. Lui là, il peut même pas. Ouais, frère. Macron a appelé. Macron veut me faire rapatrier. Frère, c'est ça là. Lui là. C'est de que tu l'entends parler, tu l'entends gueuler même. C'est un bon à rien. C'est un bon à rien. Et c'est lui le jeune. Tous les jeunes ivoiriens le suivent. Tu montes dans son là, tu lui poses une question. Frère, c'est quand tu as venu au pays, puis on va organiser marche. Il commence à t'insulter. Il commence à traiter de tous les noms. Lui là, il peut apporter quoi à qui? Il peut donner quel exemple à qui? Il peut donner quel exemple à qui? Maintenant, vous partez marcher. Ils vous ont gazé. Baokone est parti. Baokone est parti. Où est Baokone? Où est Baokone? Pourquoi écrit mon nom dans le micro? Pourquoi écrit? Mais Allah dit là. Mais vous faites monter. Il y a un qui dit, toi, tu penses que tu as réussi comme ça? Et attends, on dirait que c'est une fille même. C'est un PD. C'est un PD. Il dit, toi, tu penses que tu as réussi comme ça? Moi, dans ma galère là, je n'ai pas mes lèvres roses pour pencher ma tête comme une femme. Hein. Moi, je n'ai pas réussi, hein, mais je mange mieux que ton papa. Moi, je n'ai pas réussi, mais ton père ne mange pas mieux que moi. Ton père ne vit pas mieux que moi. Ta mère ne vit pas mieux que moi. Moi, je n'ai pas réussi, hein, mais ta situation de vie, comment ton papa donne l'argent pour payer manger là? Toi, tu n'as pas vu la même chose comme moi. Moi, je n'ai pas réussi, hein. Mais actuellement là, le peu que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Moi, je n'ai pas réussi. Mais ton père ne peut pas se comparer à ma situation de vie. Même si là, ça ne va pas au pays, ça ne va pas à Abidjan. Je m'en vais au village, un village. Je viens de Bongwano, précisément Zoukoukouré. Il y a un goudron dans mon village. Je peux mettre bagage dans la voiture, il est venu vendre ça à Abidjan ici. C'est clair. Quand tu vois quelqu'un qui va dire, tu penses que tu as réussi, cette personne a mal de ton avancement. Si tu vois quelqu'un en train d'écrire dans le commentaire de quelqu'un, tu penses que tu as réussi, tu penses que la vie va bien pour toi, c'est que la personne veut vivre la vie que toi tu vis. C'est tout. Quand la personne te voit comme ça, ça lui fait mal. Pourquoi c'est pas lui? Ça lui fait mal. C'est comme ça. Pourquoi c'est pas eux? Quand ils te voient comme ça, ils pensent que ce sont les politiciens qui te donnent l'argent. Ils pensent que tu vis dans la poche des politiciens. Ils pensent que toi là, c'est ta vie là, c'est les politiciens qui te donnent l'argent. Moi j'ai cotisé un peu. J'ai dit, je vais acheter ma voiture moi-même. Hein? J'ai cotisé un peu, puis acheter ma propre voiture. Moi, je ne viens pas m'associer avec quelqu'un. Ta fortune est estimée à combien? Puis tu penses que tu as l'argent que mes parents. Merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup. Il dit, Seni, ma fortune est estimée à combien? Ma chérie, ou bien mon frère, c'était un PD. Non, attends, on va voir. Bon, là. Merci beaucoup pour la question. Ma fortune est estimée à combien? Je pense que j'ai l'argent que tes parents. Ma soeur, je vis selon mes moyens. Ça, j'ai dit toujours aux gens. Je vis selon mes moyens. Moi, Sedi Karamba, écoute-moi très bien. Moi, là, tu ne vas pas me voir dans ton live. Parce que tu n'es rien pour moi de toute ta vie. Je ne te considère pas. Je n'ai rien dans ma vie, mais je vis selon mes moyens. Ce n'est pas ma fortune qui est estimée à combien. Pose-moi la question. Quand ton père avait mon âge là, il a pu construire une maison. Faut poser question à ton père. Pose question à ton père. Quand il avait mon âge là, il a payé combien de terrains? Nyamrodin, Batradin, enfant de Djandjou. Laissez-moi y a bien un petit top. Excusez-moi mes abonnés, y a bien c'était. Vous savez, je ne peux pas aller faire live sur Facebook là. Il a signé mes contrats. Quand ton père avait mon âge là, calculez votre vie comme ça, vous allez réussir. Calculez votre vie comme ça, vous allez réussir. Tu as 20 ans, qu'est-ce que tu dois faire avant 25 ans? Voilà ton objectif. À 25 ans, qu'est-ce que tu dois faire pendant 30 ans? Mais ton père, même quand il avait mon âge, mais il vivait chez ses parents.
quand je vais avoir l'âge de ton père là, il ne peut pas m'arrêter. On va fouiller ton père, même si lui et moi on s'arrête. Et puis on fait sortir tous les papiers là, il va citer. Il dit petit, il m'incline. Sans compter terrain qu'on me donne cadeau. Actuellement, j'ai un terrain cadeau à Jacquesville. À côté des Drouba là. Les Drouba ont payé terrain là-bas. J'ai un terrain cadeau à Jacquesville. C'est ce qu'on me donne cadeau. Hein. J'ai un terrain à Bobo Baouli. C'est-à-dire, c'est pas c'est quel terrain est conçu pour dormir dessus actuellement. Pour dormir dans la maison actuellement. De ce tri, de ce tri. Ça là, on m'a donné cadeau, ça ne fait pas partie de ce qu'on me donne. C'est ce que j'ai. Donc, pose la question à ton père. Hein? Pose la question à ton père. Quand il avait mon âge là, qu'est-ce que lui possédait? C'est tout. Ne venez pas dans mon live pour venir jeter votre colère, votre haine, votre ceci. Parce que l'homme qui est assis devant vous ici là, wallahi, j'ai réponse à tout. J'ai réponse à tout. J'ai réponse à tout. C'est mon live. Donc comprenez. C'est mon live. Moi j'ai connu des personnes qui ont attrapé ce qu'on appelle non. C'est 36 millions, non. 36 millions et 16 millions. Entre 36 millions et 16 millions. Aujourd'hui, là, pour manger, c'est difficile pour eux. Parce qu'ils n'ont pas su manipuler cet argent-là. Moi, je suis assis là. Où j'ai vu des gens. Et puis moi, c'est lui-là qui a donné le conseil. Lui-là. C'est Fafé, lui-là. Le bon arrière là. Lui-là. Quelqu'un qui dort dans sous-location. Lui-là. Aïe, ah, oui. Lui-là. Lui-là. C'est lui qui a venu me donner le conseil. Posez-moi une bonne. La fois dernière. Écoutez. La fois dernière, j'ai fait une vidéo. Où j'ai dit que j'ai fait une vidéo pour parler de si tu dois d'entrer coucher, que le monsieur m'a vu dans ma rue de Côte d'Ivoire, il a arraché sa voiture, il est venu déposer sa voiture. Je ne sais pas si. Attends, il y a une vidéo là, vous montrer. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, le monsieur dit, j'ai fait une vidéo où j'ai porté ma rue de Burkina, que j'ai porté ma rue de Burkina dans sa voiture, qu'il est venu déposer sa voiture. Vous allez voir. Le comportement des noirs. Le comportement des noirs. Tapotez mon live, je vais vous montrer la vidéo. Attendez, je vais vous montrer. Tapotez mon live. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà la vidéo. Excusez. J'aime ça. Rappeler de cette vidéo là, faut jamais regarder la vie de ton ami pour vivre. Faut jamais regarder parce que ton ami est dans chambre salon. Toi aussi, tu vas partir dans chambre salon. Je ne savais pas que cette vidéo allait me créer des problèmes parce que j'ai porté le maillot du Burkina. Quand j'ai fait cette vidéo là, il y a un jeune qui est venu m'en commenter, c'est bien fait. Déjà, la voiture t'appartient pas, tu prends pour faire bouche. C'est bien fait, on t'a arraché la voiture, c'est bien fait pour toi. Il est venu mettre les commentaires dans le but. C'est-à-dire, il était content parce que j'ai dit que le monsieur m'a arraché la voiture. Parce que moi, j'ai dit que le monsieur, il m'a arraché la voiture. C'est bien fait, la voiture m'appartient pas. Il est venu mettre son commentaire. Le jeune, mais il avait l'habitude de venir m'insulter sur mon TikTok. J'ai appelé le jeune, il dit, monsieur, c'est Sénic Ramba. Il dit oui, oui, c'est moi qui ai mis commentaire là. C'est bien fait. Quand Dieu vous donne un peu d'opportunité net là, c'est vous venez crier sur Facebook. J'ai dit, tu peux m'appeler sur mon WhatsApp. Il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a appelé sur WhatsApp. Il dit, il faut activer ta caméra. Il dit, voilà la voiture qui est garée devant ma porte. Voilà la voiture qui est garée devant ma porte. C'est moi et ma propre voiture. Ce n'est pas la voiture de quelqu'un. Mais c'est une manière d'attirer les gens à venir regarder ma vidéo et puis payer mes produits. Et puis qu'elle fait ça, il est vendu produit même. Il est vendu produit bien. Les gens qui nous regardent là, eux leurs rêves là, ils n'ont qu'à apprendre que nous là, on a eu problème ou bien on n'a rien, on est en train de mourir des galets. C'est les gars qui sont sur Facebook là, qui ne connaissent pas vous, votre mentalité. Sinon moi je connais vous, votre mentalité. Je connais votre mentalité. Vous allez souffrir cadeau, je vous le jure. Vous allez souffrir cadeau. Parce que moi là, ce n'est pas vous, votre bouche. Imam, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Prêtre, prie pour moi. Jusqu'à Ma Olivier m'a appelé avant-hier.
Il dit, mon petit, il prie chaque jour. Donc, vous là, les enfants, les mamans qui ont leurs bébés qui sont malades, là, prie pour moi. Combien d'enfants qu'on a opérés en moins de 2 mois? Donc, vous là, votre bouche ne peut rien me faire. Vous allez souffrir cadeau, wallahi. Vous allez souffrir cadeau. Vous allez vous asseoir, ça va vous ronger. Vous allez, au fait, non, ça va vous tuer, ça va vous détruire seul. Vous allez vous dire, hé, Christine Kangba là, il pense qu'il a réussi comme ça. Toi, la vie que tout le monde est en train de se chercher, au lieu de penser comment tu vas faire pour t'en sortir, c'est moi ma vie qui ne ressemble pas à 500 francs. Ça, tu veux prendre pour charger. C'est moi ma vie, on dirait caca de poulet là, ça, tu veux prendre pour charger. Toi, personne ne te connaît. Toi, tu es caché dans l'ombre, c'est moi, tu penses à moi. Faut pas chercher à entreprendre. Tu penses que toi, ta mentalité peut diminuer mon succès sur cette terre. Hein? Tu penses que toi, ta mentalité là, ça peut diminuer le succès de Sini? Jamais. Jamais. Moi, j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit la vérité au peuple burkinabé. Quand je les ai dit la vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit? On t'attend au Burkina ici. J'espère que tu n'as plus jamais mes pieds au Burkina. Hé! Burkina, c'est un pays. Je respecte le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé aussi me respecte. Mais ce n'est pas pour cette raison aussi. Excusez-moi. C'est pas pour cette raison aussi que il va avoir un problème. Les gens vont commencer à me manquer de respect. Puis elle est ici. J'ai craché. J'espère qu'on va. Moi, ce qui est dans ma tête là est différent de ce qui est dans votre tête. Moi, ma tête est trop avancée. Moi, je suis dans autre level. Excusez-moi, TikTok là, quand ils démarrent votre là, n'a pas fait attention là. Ils vont signaler toi là. Attends, mets ma photo ça là. C'est moi, je suis là. J'ai tout ce qui est dans la tête. On veut le voir échouer. On veut le... Voilà où je suis quitté. Voilà moi. Cette photo-là, je crois bien que j'ai pris cette photo-là en 2018. Voilà où je suis quitté. Voilà. Et j'étais fier de moi. Cela va où? Solo, il n'y a pas de problème. Oh, il n'est pas pu couper. Comment on veut faire ça, ça chaud. Quelqu'un est traversé au voiture. Oui, allô, solo. Bonsoir. Calé. Je suis sorti. Tu es où? Tu es au Marie Blanche. Faut venir au Carrefour Bassolé. Carrefour Bassolé. Oui, il a récupéré ça. Viens vite. Donc vous comprenez, non? Je vous ai assis. Ne cherchez pas à travailler. Voilà où je suis quitté. Cette vidéo-là, c'est en 2018 qui est tirée. Cette photo-là. Malgré qu'il y a dans l'endroit là, il était fier de moi. C'est clair. Il était fier de moi. Je n'ai jamais caché comment je vivais. Donc, au point que l'homme là, il va s'asseoir là. Et puis, non, lui là, il pense que quoi? Les gens m'insultaient. Regardez comment tu es sale. Quand moi j'étais là, les gens m'insultaient. Regardez comment tu es sale. Toi, tu es sale. Tu penses que lui aussi, c'est un bloqueur. Donc, vous, dans votre vie là-haut, moi, je dois rester comme ça, toujours sale, toujours misérable.
dans les endroits précaires. Quand je prenais le bidon pour mettre sur mon épaule là, moi j'étais déjà propriétaire de terrain. Moi je vais jamais venir me cacher de quelqu'un. Je ne dois aucun sorcier sur cette terre là. Moi je ne dois aucun sorcier sur cette terre. Oui. Et puis je ne suis pas voleur ni braqueur. Et puis il y a vapeur. Quand moi je mettais le bidon sur mon cou là, moi j'étais déjà propriétaire de terrain. J'avais déjà un terrain à mon nom. Et puis j'étais avec mon propre agent. Et puis il était dans le coucher. Vous comprenez? J'étais dans le truc. J'étais fier quand tu trouves ma maison nette là, quelques mètres net, tu trouves tout comme on appelle. Gros trou. Je suis fier de moi. Donc vous pouvez que moi je m'assois comme ça pour vous regarder. Et moi, c'est les personnes, les bons en rien comme ça qui vont venir donner conseil à l'homme. Qui vont dire tu peux. Moi, j'ai réussi. Hein. Je ne peux jamais gâter le nom de Dieu. C'est vous qui gâtez le nom de Dieu. Quand les gens vous demandent comment vous allez, ça va pas. Oh. Deux jours là, je ne comprends rien. Quand tu me demandes, Seigneur, comment tu vas? Je dis, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout, les gens qui m'appellent là, ils savent. Seigneur, comment tu vas? Je dis, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais toujours bien par la grâce de Dieu. Donc, si vous là, votre mentalité qui est dans votre tête là, ça ne peut jamais, mon Seigneur, m'empêcher d'atteindre mon objectif. En aucun cas. C'est moi qui vous dirigez bientôt. Hey! Moi qui vous conduis bientôt, je vous dirige bientôt. Je vais vous montrer que vous n'êtes rien dans la vie. Dans la vie, là, vous n'êtes rien. Asseyez-vous et puis conspirez, suivi des gens. Ouais, tu es où ça? Tu dis, gardez-vous Marie Blanche. Pour moi, je suis au Carrefour Marie Blanche. Vers où, à quel hôtel? Tout droit, quoi. Toi, tu es à l'hôtel, quoi. Je suis en live, il est parti vite. Donc là, vous souffrez dans votre vie. Voilà un qui écrit en commentaire te cherche, telle personne me cherche. Mais il faut venir avec ton vrai TikTok. Il me cherche, je suis en Côte d'Ivoire ici, je ne suis pas caché. Quand vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus de visibilité là. Là, quand les gens sont en live, vous venez écrire votre nom dans le commentaire pour que vous cherchiez visibilité. Ça ne prend plus, hein. Il n'y a même pas de quelle voiture. Attends, il prend une personne. C'est bien ma méchante. Allô? L'eau sale là, tu as pas la faute. Faut mettre ça ici. Ça, c'est chaud, hein. Ça, on met ça à terre. Ça chauffe pas très bien. Y'a quoi? Faut mettre sa tête là-bas.
c'est chaud, tu as la blessé. C'est ni. Déjà dit c'est chaud, tu crois pas quoi. Après. Ouais. Moi, j'ai dormi dans le train couché. Pendant combien d'années, faire vidéo, vous êtes en train de m'insulter. Moi, ma vie n'a qu'à rester dans le train couché. Bonsoir, patron. Toi, tu n'as pas encore grandi. Tu sais, c'est important de regarder. Il y a pris quoi? Moi, ma nourriture est prise. Toi, tu n'as rien vu dedans. La nourriture est dans la voiture, il m'en va. Bonsoir, le vieux père. La nourriture, c'est dans la voiture. Voilà, fermeture d'assiette là qui est là. Nous, on a pris nos routines à la main des solos. Donne-moi un rire. Voyez là. Là, patron, faut te réveiller. Faut te réveiller. Nous, on a. Nous, on veut tuer les films, tu es regardé dedans, non? Au moins, un jour, ils vont te dire que tu as choisi que tu es en poste. Donc vous là, vous pensez que non, moi ma vie là, il doit rester dans le train couché, un jeu n'a rien, il est dans le train couché, sa vie est limitée là. Non, même je suis dans le train couché, mais tu n'es pas riche que moi. C'est trop. Ouais, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, Dieu merci. En tout cas, moi, je suis monté pour devenir quelque chose. Et la dernière fois, moi, j'étais dans votre live que vous avez juré, que vous n'avez pas insulté le Boutenay encore. Et aujourd'hui, vous l'avez fait. Lui qui est venu m'insulter là, tu n'as pas vu. Mais non, mais c'est lui qui est venu m'insulter là, tu n'as pas vu. Est-ce que c'est vous qui... Dis-moi, tu n'as pas vu. Moi, j'ai vu. Là, une seule personne t'insulte. Tu as vu, non, bon. Faut rentrer. Écoute-moi. Rentre dans son inbox. Il faut lui dire. Il ne faut plus jamais venir insulter Séni. C'est mieux comme ça. Non, mais tu comprends? Séni. Non, écoute. Moi, je te sais. Rentre dans son inbox. Et puis, tu lui dis, plus jamais tu vas partir insulter Séni. C'est bon? J'espère que c'est bon. En bon attendant, salut. C'est mon live. Tu rentres dans son inbox. Tu lui parles, tu lui dis, il ne faut plus jamais insulter Séni. C'est tout. Tu viens m'insulter et t'insultes. Lui, sa nationalité est mieux que moi, quoi. Voilà, on vous respecte, maintenant les gens peuvent de vous. Tu as venu sur moi là, tu as m'insulté. Tu m'insultes, je t'insulte. C'est clair. Moi, quoi, bête. Humilité, ça m'aime. Quand tu as dormi, aujourd'hui là, tout ce que moi je peux dire, c'est que il y a des personnes là, quand ils te regardent là, moi un jour, il a dit quoi, même un gars là, il me dit, le gars venait tout droit sur moi, il dit, si il fait, il était carré, il dit, c'est toi, tu vas avoir peur de me cogner. Sinon, quand tu es garçon là, tu cognes la voiture, c'est pas moi qui tu as cogné, mais c'est pour toi qui est grave, parce que pour moi, n'est pas grave. Moi, mentalement, je dis après. Je t'ai pas de permis de conduire. Fais comme si je ne vois pas. C'est toi qui as payé ma connexion pour qu'il fasse mon live. Il s'appelle comment même? Il s'appelle Djeliba. Djeliba, c'est toi qui as payé ma connexion pour qu'il fasse live. C'est toi qui as payé ma connexion. Tu as dit, quand vous parlez avec les gens, parlez avec le respect. C'est moi qui me fait comme un safarien, un laisser-aller. Quand tu parles, moi, parle avec le respect. Je te parle avec permis de conduire. Tu fais comme tu veux. Comme si tu es assis auprès de moi, tu as parlé. Comment vous faites et puis vous devenez impoli comme ça même? Comment vous faites? C'est ce que vous faites et puis vous, quand vous envoie dans les endroits pour aller travailler, les gens vous chassent. On vous chasse. Mais quand tu ne sais pas parler avec le respect, hein, quand tu ne sais pas parler avec le respect là, tu ne vas même pas aboutir.
Il dit c'est à cause de toi. Lui, c'est à cause. Tout ce qui se passe. Voilà. Ils sont en train de passer les coachs. Ils sont en train de passer les coachs. Les pieds, tous sont en train de réussir les coachs. Moi-même, là, ma soeur va passer sa. Il dit sa coach. Elle va passer son coach demain. Mon frère a échoué. Il va reprendre le coach après, dans quelques jours encore. Ah ah. Donc, si tu es couché chez toi là-bas, donc tu vas penser que tu as mis des cris. Tu vas aller faire à côté de moi. Faut plus faire à côté de moi. Tu t'es pas, tu penses que tu fais comme tu vois, mais c'est ton camarade. Si les papas des gens vous cherchent là, on n'est pas camarades. Hein. Moi, j'ai une dignité. Donc, vous comprenez? Aujourd'hui là, intéressez-vous à des choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Intéressez-vous à des réunions qui peuvent vous permettre de devenir quelqu'un, qui peut vous permettre demain vous allez vous prendre en charge. Si vous vous intéressez à la politique là, la politique va vous détruire, je vous le jure. Ça va vous détruire. Mon oncle a grossi derrière son ventre. Si, même musique, même ça fait quoi. C'est l'un de mes. Mon coach, il vient faire peine, il me regarde. Si tu dis.